Mais tous les jours, je dis qu'on monte en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Je l'ai dit il y a 15 jours. Et yo les amis, c'est Baki 187. Comme tu l'as vu dans l'intro, nouveau, un nouveau coup de gueule. C'est pas un coup de gueule qui vient de ma part. Ce sera un coup de gueule qui va venir de vous, je pense. Enfin, du moins vous. Ceux qui ont moins, enfin ceux qui ont des téléphones sous Android, qui sont âgés entre 9 et plus de 9 ans. Et oui, entre 9 et plus de 9 ans, pourquoi? Ben c'est tout simplement parce que nos chers amis Google a décidé, alors comme c'est marqué dans le titre qui est juste là, Google va rendre complètement inutilisable certains smartphones. Alors, qu'est-ce que ça dit? Google va rendre complètement inutilisable certains smartphones. Les smartphones Android de plus de 9 ans seront désormais complètement inutilisables car Google a décidé de faire une mise à jour pour rendre obsolète ce genre de téléphone. C'est pas beau ça, franchement. Donc le géant du web confirme dans un document que les smartphones sous Android 2.3.7 ainsi que les versions antérieures du logiciel ne pourront plus se connecter à un compte Google à partir du 27 septembre 2021. Attendez, excusez-moi, j'ai justement Google qui vient de se mettre en route. Bon, plusieurs logiciels deviendront alors inutilisables, parmi lesquels Gmail, Google Maps, tout ce qui fait partie de l'arborescence de Google, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, ah oui, il y a aussi certains trucs par rapport au SMS. Ça ça devient vraiment du grand n'importe quoi. On est dans un monde de consommation, mais un truc de dingue. Et on nous dit tous les jours de faire attention à la pollution. Comme quoi il faut acheter du reconditionné, de l'occasion. Mais admettons que tu veux faire un geste pour l'écologie, tu achètes un téléphone, un smartphone, qui a 10 ans, qui est en parfait état, qui fonctionne encore bien, tu ne payes pas cher, eh ben tu ne pourras pas l'utiliser parce que Google va te mettre un gros doigt, hein, tu vois le gros doigt qu'elle a, bien au fond de ton cul. Toi. Alors, après, ici, ils disent, donc, si la décision de Google pose des questions éthiques, rappelons tout de même que les smartphones en question ont minimum 9 ans. Oui, d'accord, les smartphones ont minimum 9 ans. Je vous mettrai les articles complets, hein, ne tracassez pas. Hein. Pour ceux qui ont envie de lire vraiment le détail tout complet. D'accord, oui, certes, c'est des smartphones qu'on ne vend. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un téléphone Android, enfin smartphone, hein, dernier cri. Moi, je connais beaucoup de ceux qui travaillent encore avec des 3310 et tout ça, qui n'ont même pas Internet dessus, mais maintenant, ils vont les changer parce que par rapport au taf qu'ils ont, il leur faut obligatoirement un téléphone avec Internet dessus. Ou du moins un accès à Google. À Facebook et tout ça pour leur travail. Mais si Google empêche ces téléphones de fonctionner, ces gens-là, ils font comment? Ils vont faire un crédit pour s'acheter un téléphone dernier cri? Enfin, qu'à moins de 9 ans? Et sérieux, on arrive dans un monde de tarés. Mais je vous dis, franchement, on arrive vraiment dans un monde incompréhensible où, d'un côté, on nous oblige à faire extrêmement attention par rapport à l'écologie. Donc, bientôt, on va interdire les voitures thermiques. En 2035. Et d'un autre côté, tu as des sociétés comme Google qui rend obsolètes les téléphones qui ont plus de 10 ans. Enfin, qui ont plus de 9 ans, 10 ans, tout ça. On marche à l'envers. Là. On marche littéralement sur la tête, les gens. Je vous promets, c'est un truc de maths mental. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, tu aurais ton clavier d'ordinateur, ben, c'est un vieux clavier, genre un vieux IBM. Tu le branches sur Windows te dit, va te renculer, ton truc il est trop vieux, achète le dernier cri. Hein, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est très écologique tout ça. Mais voilà, les amis, concernant donc la nouvelle actualité concernant Google, je vais bien sûr te mettre l'article au complet dans la vidéo. Ça, tu pourras lire à ton aise les diverses informations concernant cette nouvelle qui m'a un petit peu choqué. Bon, moi je suis pas dans le cas parce que j'ai un téléphone relativement récent, toi j'ai un S10, mais je pense à certains amis que j'ai qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un téléphone très récent, enfin du moins de moins de 9 ans, parce que ça reste quand même assez cher pour certains trucs, pour certains budgets et tout ça, donc ceux qui ont plusieurs enfants par exemple, ben, ils ont
Ils préfèrent quand même mettre de l'argent dans autre chose que dans un téléphone, quoi, tu vois. Ce qui est tout à fait logique. Mais bon. Mais encore une fois. Merci Google. Allez, je te laisse. Je vais vite te mettre donc l'article en question dans le montage. Et je te dis comme d'habitude, hein, si t'as envie de soutenir la chaîne, tu peux aller regarder les clips du Tipeee, tout est en description. T'as le bouton rejoindre aussi si tu veux devenir membre sponsor de la chaîne. C'est 1,99€ par mois. Tu peux renouveler tous les mois, tu peux couper l'abonnement comme tu veux. Ça aide un petit peu la chaîne. Tu peux aussi éventuellement faire un don si le cœur t'en dit. Mais si tu veux vraiment soutenir la chaîne gratuitement, bah déjà t'abonner, liker, commenter et regarder les clips du Tipeee, c'est gratuit. Et ça vraiment, c'est un très 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 gros soutien pour la chaîne. Donc je vous remercierai jamais assez pour ceux qui le font. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Mais où on va les enfants là, là? Thank you.